Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Actu Nutrition pour mincir et rester en forme. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'œuf, car c'est un aliment bon marché et facile à cuisiner. Il contient 13% de protéines, des minéraux comme le calcium et le phosphore, des oligo-éléments, cuivre et zinc, et c'est une bonne source de vitamines A et D. Coupe faim idéale, il donne une sensation rapide de satiété. Contrairement à ce que vous entendez, l'œuf n'augmente pas le taux de cholestérol. Il vous apporte des graisses insaturées, oméga 3, oméga 6 et 9. Et sa grande particularité, c'est qu'il est le seul aliment avec la cervelle qui vous apporte de la choline. La choline, c'est un lipide indispensable pour le cerveau et donc la mémoire. Il vous apporte simplement 170 kcal, ce n'est pas énorme. Alors maintenant, attention à l'étiquetage. Lorsque vous achetez des œufs, vous devez regarder le code imprimé sur la coquille. Le premier chiffre de 0 à 3 permet d'identifier le mode d'élevage. FR pour la France et le code du pays et les numéros qui suivent identifient l'éleveur. Quand vous êtes chez votre commerçant, regardez avant tout le premier chiffre. Le 0 vous indique que la poule est élevée en plein air et d'élevage bio. Le 1, que la poule est seulement élevée en plein air. Le 2, que la poule est élevée au sol. Et le 3, que la poule est élevée en cage. Et entre nous, le 3 représente 85% de la production. Alors soyez vigilants. Alors voilà mes conseils. Pour bien consommer les œufs, achetez des œufs code 0 ou 1. Faites-en le compagnon de vos petits déjeuners ou de vos dîners légers. L'œuf est souvent l'ami des repas vite faits. Profitez-en. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de mettre vos commentaires là, juste en dessous. Et quant à moi, je vais ramasser les œufs des poules du jardin de ma mère. C'est une pure merveille.